Bonsoir les gens, bonsoir. Comment ça va? Je sais pas s'il y a beaucoup de monde sur le chat en ce moment. Oh, vous êtes que deux à me suivre. Bon ben, bonjour à Radamante et bonjour à ABS qui sont là. Merci d'être venus à vous deux sur mon chat de Deadly Premonition. Donc avant de lancer le jeu, je vais juste rappeler que Deadly Premonition c'est un jeu vidéo d'horreur psychologique à monde ouvert. C'est un open world de très grande qualité, vous allez le voir, qui est sorti sur PS3 et Xbox 360 en 2010 dans un premier temps, et qui est sorti en 2013, mars-avril 2013, sur PC en tant que Director's Cut, avec des améliorations, un nouvel épilogue, des graphismes et des contrôles revus. Attends, je lis ça, des graphismes revus, je lis ça sur Wikipédia, alors que c'est un des portages qui est bien pourri, enfin pas autant pourri que le dernier Batman, mais du niveau de Dark Souls, puisque celui qui a fait le Death Fix de Dark Souls a sorti aussi un Deadly Premonition Fix, un DP Fix, parce que lui aussi était bloqué en 720p et il n'y a quasiment aucune option graphique. Donc bon, il a juste fait quelques trucs pour activer les filtrages et les résolutions. L'anti-aliasing, voilà, il a sorti une DLL comme Dark Souls. Et ça permet de jouer dans une qualité un peu meilleure, mais vous allez voir, ça c'est pas exceptionnel, exceptionnel niveau graphisme, mais l'intérêt du jeu est ailleurs. Personnellement, j'ai rage quitté au bout de 2 heures sur ma première tentative. Mais là, en stream, je vais essayer d'aller plus loin. Peut-être tout faire sur plusieurs streams. Ça sera peut-être mon prochain jeu fil rouge. Donc voilà, bah, on lance le jeu, c'est parti. Hop, j'enlève ça. Et je lance. Donc ça commence bien, ça mouline. Ah, ça sent bon ça. Ah non. Ça se lent. Ah mais pas chez vous en fait. Pourquoi vous avez encore un écran noir? Ah non, c'est bon. Je devais réactiver. Donc vous avez l'image. Salut Soleil, tu n'as encore rien raté, ne t'inquiète pas. Et voici Deadly Premonition. Donc je joue à la manette, parce que c'est un jeu Xbox. Donc vous pouvez remarquer directement dès la page des titres que sélectionner donc l'accent est chier. Donc il y a beaucoup de problèmes d'encodage dans ce jeu. Tout ce qui est accent, c'est dit et tout ça, ils kiffent pas des masses. Donc voilà. Allez, c'est parti, nouvelle partie. Et là, je vous laisse profiter de la magnifique cinématique d'introduction, digne de d'un Twin Peaks, mais où David Lynch aurait vraiment fumé de la drogue, mais vraiment. Story. Yes, of course. You've been waiting a long time for this, so how about a special one? This story is very strange and very nasty, but somewhat nostalgic. Do you think you can be a good girl and listen all the way to the end? Is it a scary story? It might be, but it's also a very important story. If you don't want to hear it, I can tell you a different story. No, I want to hear it. This way, I won't be scared.
Will you turn on the TV then? Leave the sound down like always. Ah, salut Chinsaiki. Et oui, Rada, il y aura beaucoup de EA, tu verras. Alors que c'est des ça pour Ico. Et commence pas à trouver les fautes d'orthographe, il y en a un paquet. Bon, là c'est le début du jeu, c'est le héros, ça. Et c'est... Ouais, ça on sait pas trop pour l'instant. J'ai juste changé un truc. Les menus sont bien pourris, mais extrêmement bien pourris. Faut juste que j'inverse les axes. Le vieux qu'on a vu, le héros c'est ce monsieur là. Après, je sais pas celui du début, je sais pas si c'est vraiment le héros, j'en sais trop rien vu que je suis pas arrivé jusqu'à la fin. Vu que l'histoire a l'air un peu zarbi, je me méfie quoi. Could you wait just a little longer? Je sais pas, c'est flippant là déjà. Ah, le EA ne sert pas long. Bon, on peut collectionner des cartes, je sais pas trop à quoi ça sert. C'est très arbi, mais c'est que le début, hein. J'ai abandonné après ou deux heures. Attends, je baisse un peu le son, ça gueule à mes oreilles. État de Washington, je kiffe toujours les accents. Sorry to keep you waiting. It will start soon. It's about time to get started. Moi je suis arrivé à l'open world et après j'ai rachquitté, vous verrez l'open world, c'est. C'est d'une qualité mais. Zach. Zach. Can you hear me? Moi je sais toujours pas qui c'est le Zach. York. Il arrête pas de parler à Zach le mec. Donc. If you can hear my voice, could you respond? Ouais, allez. Ah, good. I thought you went to sleep. Il y a même des QTE. Zach, don't be surprised. The crime took place out in the country this time. Let's take it slow. Okay, Zach? Okay. Donc on est dans un monde bizarre. On arrive dans une voiture. Totally wrong. Bon. Quel jingle. Listen, they both need each other. It's called interdependency, and they both know it. Yeah, I know. He does terrible things to Tom, nasty, even sadistic things. But that's fine, as long as that's what Tom wants. Think of it, his actions. He's always asking for it. It's partner's job to fulfill that need, and Jerry knows that. Proof? Well, in the Tom and Jerry show, they live with each other. Hello? Hello? Zach. I can't believe the Bureau still can't get me a satellite phone. These puppies are making me go to another town in the boondocks again. Well... I'll be a happy camper, even if it ends up being a waste of time. At the very least, it'll get me out of a cramped city for a while. Right, Zach?
perpetrator from the last case really was something. Who'd have thought there'd be razors laced into her nails? Crazy. Just crazy. Well, at least I now have a scar to show off. See this? I got this when I arrested the Catwoman wannabe. Women. They're crazy. Don't you agree, Zach? Basically, Zach. Bon, allez, c'est quand que t'arrives? Ah non, c'est vrai qu'il arrive jamais en fait. Ah mais la mise en scène, c'est naze, hein. C'est une mauvaise série télé, mais c'est japonais, faut pas s'étonner. Bon là ça va vraiment commencer. C'est passionnant. Je suis dans la forêt, je viens d'avoir un accident, je me fais une petite clope. Avec un briquet qui voulait pas s'allumer. Mais pourquoi il en allume une autre? Je comprends rien. Zach, there goes the civilized world. Ça commence bien. Donc là, le gameplay arrive. Allez, oui. Ah oui, c'est vrai que le monsieur a une torche. Alors il a une torche qui sort de sa poitrine et qui éclaire pas grand chose. C'est comme Max Payne, mais voilà, il a même pas à la tenir à la main, il est directement dans son costard, il a une torche. Et qui éclaire derrière aussi, hein. Vous voyez bien. Bon, soit. Si c'était que ça. Oh, un tuyau, vite, je prends le tuyau. Après, je sais plus. Alors, comment ça marche? J'ai un pistolet. Un couteau, j'ai le tuyau. Et bien sûr, c'est à la Resident Evil, quoi. Donc, quand je pointe, je peux pas bouger. Hein. Et c'est ultra précis le... Donc, là, je peux. Je vise, je peux pas bouger. C'est très dynamique comme gameplay. Ouais, la boîte à outils, bon, on s'en fout, c'est pour mettre des objets. Je crois qu'il n'y a rien. Allez, vite. En fait, quand on trouve un objet, on peut le décider de le mettre directement dans la boîte à objets. Et comme ça, il se téléporte dans... Tous les objets se téléportent dans les boîtes à objets qu'on va croiser. Ouais. Alors. Ah, cette mise en scène. Allez, profilage. Ok. Juste avec des trucs qu'on n'a rien vu. Il y a quoi par là? On doit avoir une map. Ah, un œil map. Donc il faut qu'on aille au... Avec un excellent level design, hein, digne d'une map de Doom 1. Ou pas. Ok. Donc il y a un clébar quelque part, pas trop où. Soit.
Mais ça, c'est que le premier niveau, c'est un espèce de tutoriel, ça. Vous verrez l'open world après. C'est du même niveau. Bon, il y a... Ah, du sang. Hein? Hein? Ah, les premiers zombies arrivent. Oui, bah c'est un survival horror, donc il y a des espèces de zombies. Enfin, c'est même pas du survival horror, c'est... C'est du thriller psychologique... Y'a personne. Ouais, des cornichons. Allez, je prends l'objet. Je sais pas à quoi ça sert. Mais... Je vise. Ouais, y'a de l'électricité. Quoi, t'as pas vu Rada la lame torche sur la cravate? Ah, ah, un zombie. Ou je sais pas trop quoi. Enfin, c'est pas beau et. Ah, je vais te montrer tout à l'heure là, alors. La lame torche. Ah ben, il y a d'abord ce combat. Ouais, une ombre mystérieuse. Ouais, RT, c'est celui-là. Oh putain, c'est une galère pour viser. Wow! Ouais, je tire sur une espèce d'ombre. Alors, la visée est... Voilà. Alors, je joue à la manette, ok, mais c'est assez horrible aussi. Parce que, bon, il y a beaucoup de jeux qui sont plus souples que ça à la manette. Ah merde, j'ai mis dans la boîte à outils, c'est pas grave. Je le récupérerai plus tard. Oui, la visée est immonde. Alors, Rada... Je vais ranger là. Comme tu peux le voir, il y a une. Il a bien dans sa poche de veste là. La lame torche. Donc voilà, ça fait de la lumière. Tac, je coupe. Et ça vient de la poche de la veste. C'est intérêt au costard. Et oui, c'est la visée est totalement injouable à la manette. Enfin, même au... j'ai essayé au clavier souris, c'est pas mieux. Ah oui, c'est vrai que ce jeu est tellement bien foutu en fait que quand on joue à la manette, on peut plus jouer au clavier. C'est l'un ou l'autre, mais ça switch pas automatique. Style GTA, moi je joue toujours à la manette, sauf pendant les phases de gunfight où j'utilise le clavier. Et ça switch de façon transparente entre les deux, sauf là. Mais dans ce jeu, non. Dans ce jeu, non, non. C'est l'un ou l'autre, hein. Tu choisis le début et tu bouges pas. Hein. Enfin, j'ai gagné une médaille qui se baladait. Bon bah on continue, hein. C'est ça, tu voyais déjà, donc là il en a fait quoi, 20 minutes de stream et vous voyez déjà à quel point ce jeu est nul. Profilage. Ah, on a déjà des flashbacks, je sais pas trop comment il les a mais... Ok. I've been through a lot of crazy situations, but that one takes the cake. It's the first time I've been attacked so directly. Zach?
Can you give me a logical explanation about that? C'est qui, Zach? Never mind, don't answer. Life is fun because of the mysteries. Right, Zach? Ah, ma téléphone qui sonne. Qu'est-ce que c'est ça? Sucette. Une sucette. Ok, les téléphones, c'est pour sauvegarder. Je m'en souvenais même. Et je gagne de l'argent parce que j'ai téléphoné. Ah, encore une cinématique. Oh, la lumière s'éteint. La porte se verrouille. Oh mon dieu. On commence à entendre des bruits bizarres. Headshot! Bon, la spatialisation du son est dégueulasse, donc on sait pas s'ils arrivent de derrière, des côtés. J'y vois rien avec la pluie. C'est dégueulasse. C'est par où? À droite ou à gauche? Ok. Bon, on va aller dans le cul-de-sac d'abord. Ah! Oh mon dieu, des mecs. Et il s'est téléporté là! Oh! La vitesse de déplacement. Ouh. Ah, une médaille. Oh mon dieu, une tache au sol. Headshot! Ah merde, en fait, il est pas mort. Ah si. Ouf! Oh, cette explosion! Ouh là 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 là! Merde. C'est tellement bien foutu ce gameplay. Ah putain! Je sais pas si je peux péter les caisses. Ouh! On peut péter les caisses. C'est bruitage. Ah, j'avais prévenu, ça va être c'est un stream de merde aujourd'hui. Jeu de merde, stream de merde. On est près de la fin là. Oh putain, on est pas arrivé encore. Ah merde. Oh, headshot. Allez. Vas-y, t'as quoi à me filer? Putain, il est bloqué là. Oh! Oh, what is this? Putain, on peut pas accélérer la caméra là, c'est horrible. Ah bah non, c'est vrai qu'il y a. Il n'y a aucune option, si j'oublie. Que suis-je? Je suis bête. Ok.
Ok. Fou! Les combats sont fastidieux. Boîte à outils. Non, je suis pas sûr qu'on aille au bout du jeu. Je commence à me rappeler pourquoi j'ai rage quitté ce jeu en fait. Ah, il est un peu défoncé. Allez, c'est le moment de profiler là, non? Profil, ouais. Boîte à fusil. Pas d'ennemis. Ok, personne en vue. Alors là c'est fermé, donc il faut qu'on aille par là-bas. La porte est fermée. Ben, j'arrive à viser la serrure. Headshot. Bon, y a rien. Allez, allume. Putain, mais il est bloqué. Voilà. Quelle énigme très compliquée. Bon, allez, on se casse. Et par contre, il y a toujours une putain d'animation à chaque fois que tu traverses. Il y a une porte quoi. C'est pas transparent quoi. Oh, y'a un gros là. Ouais. Normalement, on devrait être à la dernière ligne droite, il me semble. Ouais, presque. C'est bientôt à la sortie. Putain, c'est horrible. Ah, ce gameplay. C'est graphisme, mais c'est tout en fait qui est horrible. Ah, il se téléporte le con. Alors quand il se téléporte, tu sais pas si c'est un bug ou... Bon, il y en a d'autres ou... Ah merde, ils apparaissent. Bon, on va rusher, j'en ai marre là. Allez, on se casse. On a trop qui arrive. Oh! Merde. Je me suis un peu trompé de touche. Une QTE, une QTE. Eh, mais j'ai pour quoi? What? J'ai appuyé là! J'ai secoué le stick!
secouer le stick? Allez, Dark Souls style, on fond dans le tas. Mais j'ai appuyé là! Oh, j'ai appuyé! Je veux bien que la touche elle ait changé, j'ai appuyé! Ah, fuyons! Bon, il a pas l'air trop chiant quand même, hein. Il suffit que tu l'esquives une fois et il se dit ok, c'est bon, t'es trop fort pour moi. Ah, qu'est-ce que c'est? Allez, profil, profil! Something in this town. Ah bah là, je crois que c'est sûr. You feel it, Zach? My coffee warned me about it. Yesterday morning, the milk I poured in my coffee made a sign. It said, "Tomorrow you'll arrive in a place that will change your fate." Mais qui est le mec qui a écrit le scénario, honnêtement? Ah, il est en arrivant dans l'open world. Là, c'est le début de l'open world. Vous allez voir la qualité de ce monde, de cet univers. Bon, déjà, vous pouvez voir que c'est flou à 2 mètres. Hein. Bon, ben. On arrive à Greenvale. Avec cette technique digne d'une PS2. Le sol doit être mouillé quand même, vu le bruit qu'il fait. Je sais pas si on peut voir la carte en entier. Ouais. Ouais, il y a le plan. Zoom, R. Ah oui, en fait, on peut juste dézoomer au maximum. Et là, vous voyez l'open world. Donc, il y a à peu près 4 rues. Un lac et voilà, on peut pêcher, on peut dormir et voilà. Bon, ça c'est l'open world, je peux pas dézoomer plus pour vous montrer la map entière, mais voilà, ça vous donne une idée de l'univers, mais on va vite le traverser en voiture. Et le gameplay en voiture est encore pire, je crois, que le gameplay à pied. Oui, c'est possible. Une petite cinématique très intéressante. Now you were very late. Cette façon d'introduire les personnages, mais pfff. I didn't think you'd keep me waiting in the rain for so long. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, just call me York. Oh yeah, call me York. That's what everyone calls me. Agent York? Good, that's good. Are you the sheriff? No, I'm Deputy Sheriff Emily Wyatt. George, he's the sheriff. He went looking for you, actually. You should be back soon. I see. If you don't mind me asking, did you walk all the way here? Well, my car broke down, that's all. Ah, ces graphismes, pouah.
J'en pleure de... j'en pleure parce que j'ai mal aux yeux, quoi. Ah bah là, il veut se la taper maintenant. Tel un Gérald en rut. Ouais, t'inquiète. I'm the sheriff, George Woodman. Call me George. Putain, mais c'est qui ce Chuck Norris là? George Woodman. C'est bon, tu l'as déjà dit quoi. Call me York, ouais. Tu le sors à tout le monde ça? Could you tell me why the FBI is so interested in a small town homicide? Let's just say it's a personal interest in killers of young women. I'm always looking for new sample cases to help me with my profile. Both our superiors are clear this with each other. You can remain in command. You don't have a problem with this, do you? No. Ah. No problem. Just want to set things straight. Our small town has its share of problems. I'm the one fixing them one by one and maintaining peace and order. You can have your profiling sample, but I need you to understand. Of course. By the way, George, I had a little accident with my car. Could you send someone to take care of it? Oh, and my clothes and luggage are still inside. All right, don't worry. I'll get my assistant Thomas to take care of it. Do you need anything else? No. Thanks. That'll be all. Well then, I think I'll rest up first at the hotel. Then I'll join you on your investigation. Don't know how to say that. But I really don't need your help. Unlike some of your corrupt city police officers, I play it by the book. I hope you'll come to appreciate that, Agent Morgan. And we'll handle the investigation. You just think of this as a vacation. Take it easy. Enjoy the nature here. You don't have to be a tree worshiper to appreciate the wildlife. C'est long quand même, c'est cinématique. C'est long. There are no cavemen here. We're as far forward as the Middle Ages. And we've just met the king. C'est fini? On a fini le jeu? Oh, c'était que le prologue. Fouf! Ouais, fouf! $200. Ça, c'est un bon salaire. Previously during the investigation, these puppies are making me go to another town. J'aurais peut-être pas dû appuyer là. Ah, salut Jibo. Ah, tu viens de rater le prologue, mais c'est pas grave, tu arrives juste pour découvrir le coin de moi. Je sais pas combien il y a de chapitres. Le jeu doit faire 15 heures, je crois. 15 heures d'horreur à peu près. 10-15 heures, je crois, avoir lu dans les tests. Je suis jamais arrivé au bout, j'ai rage quitté au bout de 2 heures, moi. It's broken. I've been using that one for a long time. Why didn't you get it repaired? This TV is important to you, right? It's got some memories attached to it, sure. I used to watch movies on this thing with your grandma all the time. Oh, yeah, grandma. Grandma liked movies? Avant que je la bute, oui. Everyone loves movies, right? I love movies too. I've never been to a movie theater though. Ouais, c'est la même voix que le. Ah mais on revient là en plus. Oh, putain. On revient dans cette espèce d'endroit bizarroïde.
Angel Isaac. Ok. Un beignet. Ah mais... On peut pas attaquer directement l'enquête. Pourquoi on est dans cette espèce d'univers bizarroïde là? Ah, c'est ouvert. Oh, comme c'est flou, quoi. Oh, ce flou à 3 mètres. Oh, c'est dégueu. T'es qui, toi? What? Hurry. Like this. Cover your mouth. Ah, c'est comme le tyrannosaure d'un Jurassic Park, quoi. Si tu bouges pas, il te voit pas. Là, c'est pareil. Si tu retiens ta respiration, il te voit pas non plus. Genius, quoi. Tu respires pas, le monstre... Il te chope à la respiration, quoi. Ça, c'est du monstre. Je m'infiltre, je ne respire plus. Ce jeu est fantastique. Putain, mais le mec il fait de l'apnée là. Ça fait une minute qu'il respire plus, le gamin pareil quoi. C'est pas parce qu'ils mettent leurs mains devant la bouche que... Ah, il est parti. Ouf, on est sauvé. Who are you? Bon ben, on saura pas. Cette mise en scène, mais c'est quand je joue à ce genre de jeu qu'on relativise les bouses, les autres bouses en fait. On se dit que c'est finalement c'était pas si mal. Bon, il a l'hôtel, ok. Ça me rappelle un peu de V-Rain. Mais V-Rain, il était bien, ouais. Zach, the symbolism in my dreams continues to intensify. Allez, a fait une petite clope au réveil. Red trees, a carpet with red leaves, a strange doll, and twin angels. Mais t'es fou, c'est but that tout. Child is what bothers me the most. I swear I've seen him before. Just can't remember where. Well, it'll probably come back to me eventually. For now, we need coffee. C'est pire que les Sims, quoi. Ah, il faut son café. Let's head to the cafeteria, Zach. Ouais. I hope they have some real coffee. I really need some coffee. Then we can head to the sheriff's office. There's a proper procedure for everything, right, Zach? Y'a quoi dans la boîte à outils? Ah, y'a rien, j'ai tout pris. Je sais même plus comment il marche l'inventaire. Objet. Je sais même pas si je suis limité en objet ou. J'en sais rien du tout. Je sais même pas ce que j'ai. Fusée de T13. Des clopes. Fumée permet d'oublier le temps qui passe. Ok, parfait. Du café. Faudrait que je regarde s'il y a un ambrasse.exe pour ce jeu, limite pour pas pour se faire un peu moins chier.
Cartes, ah oui, on peut collectionner les cartes. On doit gagner un trophée si on arrive au bout des cartes. À chaque fois qu'il ouvre une porte, il regarde, il jette un coup d'œil et il fait l'animation. Oh, une douche. Ok, mais tu peux même pas la prendre. Je peux se raser. Ouah, on peut se rader. Ah, c'est bon, elle était radée. Oh, 12$ rien que pour se rader, quoi. Bon, faut pas être pressé pour traverser une porte, hein. On peut faire caca. On peut pas faire caca. Un jeu sans caca est un mauvais jeu. Ah, il est grand cet hôtel. Oh putain. Ah, c'est vrai qu'on peut changer ses fringues aussi. C'est quoi ça? Mission secondaire. Mission. Oui, mais. Prendre un petit. Ok. Mission prendre un petit déj. C'est quoi déjà ça? Je sais même pas ce que c'est les trucs rouges. C'est quoi? C'est les portes? Les croix, c'est. C'est pas une légende? Ok. Je vais juste voir mes fringues en fait. Je crois qu'il a plusieurs trucs dans sa valise et si on change ses fringues, on a des différents bonus. Ah voilà, il a la valise. Alors, portée, tenue journée et a l'air presque neuf, putain. Aucun problème. Costume d'affaires, idéal. Ah, mais il me semblait qu'il y avait un truc de touriste avec les. La chemise hawaïenne et tout, mais j'ai pas dû encore la voir. C'est pas grave. On va garder le costume de base. Quand il sera sale, on le portera à la laverie. Bon, oh, c'est pas où le petit déj. Oh, c'est magnifique. Porte. Enfin, c'est juste une texture quoi, les murs. Oh! Là, l'entrée. Tiens, on peut s'acheter des trucs à bouffer. Ce distributeur, mais c'est. Pouah, qu'est-ce qu'il est bien modélisé. Il est dans un défilé de mode ou quoi, le mec? Comment il bouge, cette animation? C'est la méchante, elle! C'est elle le coupable! Elle est trop moche! Thank you, on dirait un zombie! Polly Oxford. Just Polly is fine. Well then. Thank you, Polly. I'm starving. Is everything all right, Mr. Morgan? Ça, c'est de la table. Yes, it's delicious, Polly. My compliments to the chef. Il y a pas trop de clients quand même. Cooking will bring back repeat guests. Honestly, though, it's been a while since anyone has stayed here. I couldn't help but notice. Aside from you and me, there seems to be no other guests or workers around. What's that? The salt's in that white shaker there. Thank you. I was wondering if there were any other guests or workers here. Oh, no, no one else. Non, j'ai tué tous les autres. You
You've been working here alone since then. Must be hard by yourself. Oh my, we're all out of pepper. I'm very sorry. It must be difficult to run a hotel by yourself. Well, yes, I suppose. I could just live on my pension. But I have to admit, running a hotel is kind of like a hobby of mine. That's nice. Polly, it might help to hear you better if you could sit a little closer. Oh my, Mr. Morgan, you're embarrassing me. So early in the day, too. I think I'm a little too old for you. And I still love my departed husband. May God rest his soul. Je trouve ça rigolo, Jibo. Je trouve ça désolant. Enfin, c'est tellement mauvais. You're exaggerating. This is fine. It won't do to be all clumped together with such a large table and cafeteria. We have to make use of this space. Now tell me, that wound on your face, what happened? Let's just say I had some trouble during the last case I was working on. I'm sure it'll heal. It's just a flesh wound. Oh my. Well, there's no need to be the tough guy here. I want you to be able to relax here. I've prepared a special room for you. A famous rock star once stayed in cette musique, mais franchement. Really? I feel honored. If you need anything, anything at all, just let me know. I'll help you out in any way I can. Zach, the lady is offering to help. Do you want to ask her about the town? Oh, yeah. Yeah. Say, Polly, what can you tell me about this town? Well, let me see. You might know this already, ce geste, à chaque but fois qu'il the town club, is called Greenvale. It rains here quite often, but it's a nice place, surrounded with nature. It was a big and prospering lumber town until not so long ago. We used to have a population of over 6,000 people. Less than a tenth of them left now. This hotel was built back then. We saw plenty of guests in those days. That's why this place is so big for such a small community. I have so many fond memories from back then. I suppose the clock on the community center is quite famous too. C'est long, c'est long. Yes, it's lovely. It rings in the morning and at night to let the whole town know the time. You'll hear it many times during your stay. It's a beautiful sound. And you'll love it too, I think. I look forward to hearing it then. Anything else you'd like to know about? Non, c'est bon, là. J'en ai assez, là. Je trouverai par moi-même. You just take it easy. I'll bring your coffee out in a moment. Thank you, Polly. I have to warn you, though. I am very particular about my coffee. The very best you have, please. I understand. I'll be right back with it. Il n'a pas encore bu son putain de café? On a droit à une QTE pour le café aussi ou... Oh, cette tasse, quoi. Regard intéressé. Ah oui. La tasse, elle est bien ronde. Beaucoup de polygones. Did you see that, Zach? Ah ouais, j'ai vu le futur, là. Clear as a crisp spring morning. F. K. In the coffee. Bah, Fitzgerald Kennedy, quoi. C'est lui qui a tout fait. Now then, let's get going. C'est Johnny. C'est lui le coupable. Bon. On va choper ça quand même. Ah, mais il y a une baie vitrée en fait qui est invisible. Enfin, c'est quoi la mission là? C'est pas ça, je sais même pas, faut aller au commissariat. Ah mais j'ai toujours pas fini mon petit déj, moi. Oh putain. En même temps, je peux pas le louper, il y a une grosse flèche rouge. Y'a pas des trucs à choper là? Oh yeah, petit café. Je me refais un café. En perspective. There's always trouble heading my way in this job. Ah ouais, il voit le futur à chaque fois qu'il voit un café, le mec. Little excitement too.
Et il se refait un café. Allez. Journée détente. Alors tout à l'heure j'avais des ennuis et maintenant c'est le porte-bonheur, port d'attraction. In this town, though. All that good luck is just slipping away. But I think I'll have a thrilling enough time right here anyway. Ah non, pas la même chose, on va arrêter là quand même. L'ambiance est particulière. Il y a des gens qui le trouvent culte ce jeu. Personnellement, pour l'instant, le gameplay est tellement impitable que il y a une certaine ambiance que je suis pas super fan. Je préfère largement un Alan Wake pour moi, qui je trouve meilleur à ce niveau-là. Mais il y a une ambiance. Mais le gameplay est tellement pourri. Et encore, pour l'instant, vous avez pas vu comment est la conduite. Hein. Oh, hi. Voilà, ils avaient plus d'argent, donc ils ont arrêté de doubler les dialogues. Hein. Ouais, t'as quoi acheter? Café, stabilisateur. Ça coûte 186$ le stabilisateur là. Une sucette. 14$ la sucette. C'est de la putain de sucette hein. 19$ le beignet, putain, il habite où là? Mais c'est un peu cher quoi. 119$ la PAC. What? What? Le verre de terre il est quasiment aussi cher que la canne à pêche. Je vais faire un truc, ils vont me le dire. J'ai pris mon petit déjeuner. Ouais, vous avez gagné un trophée. Ah, on revient à l'extérieur. Oh, une voiture. Ouais. Police car. Voilà le retour du mec qui s'est pas sifflé. So we have King George to thank for preparing a car for me. A pleasant surprise, Isaac. Let's take it for a spin. Ça c'est le jardin qui va en plus rester dans ma tête pendant 3 plans après. I have to tell you, Zach, this place simply amazes me. The keys were left on the front hood, and nobody stole the car. Values. This town has what the country needs. Values. Let's head over to the sheriff's department. Allez. Alors, comment que ça marche? Il y a un turbo. Turbo, franchement. Frein à main, accéléré. C'est qui le con qui a foutu accélérer sur cette touche? Vous pouvez pas mettre les gâchettes? Pfff, klaxon, on s'en tape. Diriger, essuie-glace, je pense qu'on s'en tape aussi. Clignotant, franchement, pensez vraiment que je vais mettre les clignotants. Changer de vue, parler. Ok. Passe-partout. Ah oui, c'est vrai que la clé peut ouvrir toutes les voitures de la ville. Oh putain. J'ai pas encore démarré là. Pourquoi fait ce bruit là déjà? Ah! C'est pas, faut faire demi-tour, c'est vrai. Ah! Ah! Le rayon de braquage est énorme. Ah non, je me suis planté en fait, j'aurais pas dû faire demi-tour, c'était par l'autre côté. C'est par où? Je vois rien. Ah, je vais me prendre un truc. C'est putain, c'est par où? Ah, il y a un chemin. Ah, une voiture. Je
Je vais plus avoir d'essence avant de sortir du parking. Ce bruit est légèrement gonflant. Je vous avais prévenu que le gameplay en voiture a été atroce. Hein. Allez, fonce, fonce, fonce! En double, en double, en double! Ah, stop, 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 tourne, tourne, tourne. C'est atroce, graphiquement c'est atroce, y'a tout qui clignote. C'est quoi ce clipping? Ah. Bon bah nous voilà en ville, où y'a personne, trois voitures. Dire que GTA 3 est déjà passé par là, et même San Andreas était déjà sorti à cette époque, je me sens. Et voilà ce que les Japonais arrivent à sortir. J'ai bien fait de pas baquer Shenmue 3. Ils sont capables de faire un jeu comme ça. Pourquoi il y a un truc qui clignote là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est... La High School! Oh, y a une High School avec deux voitures et aucun étudiant! Vas-y, tourne! Ah. Oh putain, une course! Oh yeah! Allez, allez! Ah merde! Frein à main, tourne, tourne! Je sais plus ce que c'est la touche du frein à main! Quelle heure là? Putain, il est que 22h! Oh mon dieu, encore une heure à tenir! Un vrai stream punition! Ah, faut tourner, faut tourner! Ah, c'est quoi ce putain de bruit derrière là qui veut pas s'arrêter? Cette tenue de route, mais pouf! Ah, faut tourner, faut tourner! Ah. Oh. Voilà. Il y a trop de sensations là. Bon, je sais, à droite, à gauche, tout droit. Ok. Cette sensation de conduite. Pff. Tout ça pour échouer à la fin. Hein. Je vais m'endormir. Ah non, non! Oh, collision, collision! Ah, un mur invisible! Ah. Hey, oh! Je suis prioritaire, je suis flic. Non. Mais c'est quoi la logique dans ce circuit là? Yes! Ouais! Avec une petite cinématique en prime. Comment on sort de la voiture? Ah. Du, du, du.
Zack, is there something here that you want to check out? We're supposed to go through Anna Graham's file at the sheriff's office, but if you want to act on a hunch, then I'm with you. Je peux pas prendre la voiture là? Ah, j'ai toujours la torche qui marche. Ok, je peux pas prendre la voiture. C'est dommage. Va-t-elle faire toujours le même bruit pourri? Ah oui. Le bug est toujours là. Putain, mais ce rayon de braquage qui est atroce. Oh putain. Heureusement que le parking est à côté. Hein. Y'a aucune vie dans la ville, quoi. C'est atroce. Y'a rien, y'a personne, y'a pas un passant, quoi. Ah, ça fait bien. That's one fine building for such a small town. The exterior woodwork is spectacular. Don't you agree, Zack? Call me York. Pleasure to meet you, Agent Morgan. We've been expecting you. I'm Thomas McLean, the sheriff's assistant. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please just call me York. It's what everyone else calls me. Very well then, Agent York. I believe I owe you a thank you for retrieving my belongings from my car. Thanks. On dit pas des démarches féminines, on dit des démarches japonais. C'est eux qui ont fait la motion capture. C'est eux qui ont tout fait. Les musiques. Les graphismes. She was such a bright and lovely girl. Did you know her well? Well, no, not really. But it's a very small town. I'm sorry. It's just that this is the first really big case I've ever seen. I understand. Just try to relax. Can I have a look at Anna's file now? Yes, of course. The sheriff told me to let you through to the meeting room, but I've lost the key to the cabinet where the files are. Oh, putain. Why don't you take a look around while I go look for it? Ah, il va falloir trouver une clé. Let me know when things are ready. Je crois que c'est là où j'avais rage quitté. C'est tellement pourri. Mais c'est quoi cette démarche? Thomas appears to be the kind and sensitive type, totally at odds with the monarch. Almost a good setting for a cartoon. Ok, je crois que c'est là où j'avais abandonné à ma première tentative. C'est tellement atroce. Oh, je peux pas rentrer. Bon, on a quoi là? Hello. Oh, hello beauty. Who are you? Hi. Ah, bah m'en va parler. Hello, non, en fait, j'en ai rien à foutre de toi. Cette animation, il faut que tu traverses une porte. Hey, George! Village Popol. George, do you work out every day? Of course, Agent Morgan. Exercise keeps me healthy. I haven't missed a day since I started in high school. That's impressive. Remind me to get more exercise, Zack. But I can't do my full routine today without Arnold. I haven't seen Arnold around since yesterday. Arnold. He's a training buddy of mine. His partner Sylvester misses him too. If you see Arnold around, let me know, will you? Can't finish my workout menu without him. Okay. I'll keep an eye out for him. Ouais, une quête secondaire où je dois retrouver une altère. George a perdu son Arnold. Je sais pas pourquoi c'est entre trucs là, mais bon.
journal des Sylvester. Oui, ils ont beaucoup de références, les Japonais. Zach, look at this. Oh, now this is something special. Ah bah ouais, c'est... It's the epitome of the old Frontier Sheriff's office. It's perfect. A stuffed deer's head on the wall. A flag, a hunting rifle. A hunting rifle. Amazing. You'd never see a hunting rifle on the wall of a police department in the city. It's just amazing. Wonder if the sheriff would ever let me shoot it. Ça sert à quoi, c'est... Oh, ce miroir. Oh. Si on pouvait arrêter cette animation. Par où? Allez, on va par là d'abord. Oh, on peut rentrer. Et il n'y a pas grand chose. Une télé. Plus jusqu'à midi. Prenez un café en attendant que ça se... Wouah. La pluie, vu la conduite, ça changera pas grand chose. Alors, on peut pas aller aux chiottes, c'est pas terrible. Ah, ça, c'est la sortie, c'est pas par là. Allez, locker room d'abord. Alors, y'a quoi dans le locker room? Oh, je peux faire clé pour la touche à longue queue. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Et y a rien. Soit. Boîte à outils. Y a rien là-dedans. Fou qu'il est lent ce gameplay. Fou. On est loin de la nervosité de Doom de l'autre jour. Quitte chaîne room. Allez. On va tous se les faire. Si on s'est pas endormi avant. Oh cool. Oh Sylvester. C'est toi Sylvester? Zach. Ah non, c'est Arnold, c'est vrai. We found Arnold. Ah yes, on a trouvé Arnold. To George, I guess it's a cute name for a dumbbell. Qu'est-ce qu'il fout de la cuisine, Arnold? Bon, je peux me rader dans l'évier, pas grand-chose. Oh, une autre clé avec un écureuil. Oh, qu'est-ce que c'est? Sandwich à la dinde. Oh. Ah, c'est une carte d'un sandwich à la dinde en fait. Mais ça grince trop ces portes là, c'est insupportable. Tiens, on peut passer par là? Non. Mais laisse-moi passer! Et là, je parie qu'elle va se téléporter. Ah non. Ça fait vraiment l'animation. Eh, hey, Georgie, j'ai trouvé Arnold. Tiens, Arnold. George, I found Arnold. Really? He was a bit hard-headed, but I got him to come back. Huh? Oh. Arnold. Well done, Agent Morgan. Now I can work out using my normal workout menu. Good to hear that. Here's a little something to show you my appreciation. Oh, une carte, trop sympa. So that makes us even. Ah ouais. I don't owe you anything, and you don't owe me anything. Ouais. No changes Super. To how we work together. Just bear that in mind. Zach, he needs some friends who aren't so dumb.
Et toi aussi, hein. Et une quête secondaire terminée. Si elles sont toutes comme ça, ça va être passionnant. Kitchen room, j'y suis allé. Storage. Hop, j'allume ma fameuse lampe torche qui est intégrée au costard. Et une autre clé. On va finir par trouver toutes les clés des employés, quoi. On va passer par là. Ouais, clé pour la touche. Apparemment, c'est un écureuil, je sais pas trop quoi. Ok, ça c'est Freddy. Qu'est-ce que c'est ça? Allumer, éteindre. Ça sert à quoi? Ah! Y'a des trucs? Ouais, y'a rien en plus. Y a rien, ça sert à rien ça. Oh Thomas, j'ai trouvé les clés. Ouais, j'en ai quatre là. You found the key. I think so. Is this it? Ah mais non. Ah, you don't know your squirrels, do you? This isn't the right key holder. This is a Siberian flying squirrel. It's closer to a land-based squirrel. Ah, putain, il nous fait un cours sur les écureuils. Oh. And has a standing tail, while the southern has a hanging tail. But we're looking for a southern flying squirrel right now. We sure do know a lot about squirrels. Oh putain. Il va nous faire le coup à chaque porte-clé là. You found the key. I hope so. Ah, c'est pas la bonne encore. No, this is a sugar glider. Sorry, wrong key. The sugar glider is a small gliding possum. It has shorter hair and a longer column-like tail. Ce jeu est atroce. Et c'est tout pour que t'invites quitter en fait. But we're looking for a southern flying squirrel right now. Zach, can you tell these things apart? Allez, troisième. Found the key. Is this the one you were looking for? Ah non, c'est pas un écureuil. Ah bah voilà. No. This is a gray squirrel. Sorry, that's not the key. Nothing particularly special about the gray squirrel, I'm afraid. You can find them in the US, Canada, and in England too. A gray squirrel. What was I thinking? But we're looking for a southern flying squirrel right now. Ah, le dernier, ça doit pas être bon. Bah, on va continuer à chercher la clé. Hein. Ah. Faisons toutes les pièces jusqu'à trouver la clé. Bon, on a l'exit, mais là on peut pas sortir. Oh, un étage. Enfin, au sous-sol. Ça doit être au sous-sol. Ah, mais c'est l'atoll. Il y a des prisonniers. Oh, stand de tir. Ah, une clé d'écureuil. C'est un écureuil rayé. C'est pas un écureuil volant d'Amérique du Sud. Pas celui-là. Tranquille, la porte de l'atoll est ouverte. Tu parais qu'elle va être dans une cellule?
Normal, quoi. On sait pas ce qu'il allait foutre là, le Thomas, hein, dans la cellule. Ah, il peut pioncer. Hop. Allez, un petit dodo. Ah, ça va mieux. Bon, elle est où la clé? Ah! Comme par hasard, il y a une médiaille à côté. Putain, c'est toujours pas... J'espère que c'est celle-là. Là, il y a rien. Oh, c'est fermé. Bon, on a là deux de plus, on va les ramener. J'espère que c'est ça, parce que là j'ai fait toutes les pièces, il me semble. Par là, il me semble. Allez Thomas, là, dis-moi que c'est la bonne, là, parce que j'en peux plus. You found the key. I hope this is the right one. Eh ben non. You found a Siberian chipmunk this time, have you? Sorry, wrong key. A Siberian chipmunk? This species lives in northern Japan on the island of Hokkaido. They're actually quite a popular pet. So it isn't even a squirrel. But we're looking for a southern flying squirrel right now. J'en ai marre. Allez. You found the key. Oh yes. Oh, c'est la bonne. Right one. Woo. Yes, a southern flying squirrel. Thank you so much. I'll bring the files right in, so please go to the meeting room. Okay, I'll be waiting for you. Well, Zach, we just got here and we've cracked a big case already. T'as retrouvé une clé, quoi. The victim's name was Anna Graham. Age 18, she just recently graduated from high school this year. Her dream was to move out to the city and become a model. But for the time being, she was working in the A&G diner here in town. She lived with her mother, Sally. Anna's father died in an accident in the lumber mill when she was a child. Her mother is unemployed and lives on the insurance money from her husband's accident. After all, it's a small town with a low cost of living. Financially, they seem to get by fine, and they led normal lives. A normal life is exactly what a curious teenager doesn't want. It's all starting to make sense, Zach. City folk, huh? No. No, I take that back. All of them can't be as bad as him, and some should have better manners. Huh. This is a good biscuit. I've never tasted a biscuit this delicious. Where in town can I get these? Well, actually, I baked them. Ah, le retour du siffleur. That's amazing. What do you mean in law enforcement? They're very particular about biscuits, I'll have you know. The balance of milk and butter you've achieved here. Oh my. Agent Morgan. The autopsy's ready. Ah, un petit autopsie. Ah non, pas en voiture là. You come too. Oh non. Thomas, stay here and tidy up these files. Oh non, va falloir reprendre la voiture là. We're going to use the car outside. Ah non. Let's get going. Non, tout mais pas la voiture, s'il vous plaît. C'est pas la voiture. Investigation, but our inspections are thorough and solid. I'm hoping you won't slow us down. Mm-hmm.
Tu as fini le bureau du shérif. Plantage ou pas plantage? J'ai entendu un pup. Mais je crois que je vais pas tarder à rage quit là. C'était quoi? Pourquoi ça fait le bruit de Windows? Ça fait le bruit de l'erreur, mais. Non, mais c'est chiant quoi, le rythme est atroce quoi. Finalement, j'en ferai peut-être pas mon jeu fil rouge là, tellement il est chiant celui-là. Je me suis dit peut-être qu'en stream ça passera mieux que tout seul devant mon écran, mais non, c'est toujours aussi chiant. Hein. Et c'est même pas drôle à regarder tellement c'est lent. Bon, il fait quoi le chargement en cours là? Non, c'est bien Radha que tu sois encore là, parce que même moi je crois que j'aurais quitté là. Bon, chargement en cours, il a crashé ou quoi? Ouais, j'ai l'impression que le jeu ne se porte pas très bien. Ah, effectivement, Deadly Premonition, aucune réponse. Ah, ce n'est pas bon. Non, toujours rien. Bon, bah là, le processus est arrêté, donc. Allez, je le relance. Je suis un fou. J'essaye juste de voir si j'ai pas perdu ma sauvegarde. Donc, officiellement, je vous annonce que si j'ai perdu ma sauvegarde, je désinstalle le jeu, hein, en direct. Sinon, je sors juste sur le parking, je vois si j'avais arrivé. Je sais pas où c'est qu'on doit aller, à l'hôpital, un truc comme ça, pour l'autopsie. On va voir. De toute façon, je suis un peu crevé, donc je suis pas sûr d'aller trop loin encore. 22h30. Mais c'est quand même bien parce que le jeu a planté. J'ai entendu le bruit de Windows, mais il a continué à tourner en fait, à faire son chargement. C'est bon. Je m'en fous. Passe. Je pense pas que ce soit aujourd'hui que je ferai mon record de viewers. Mais je vous comprends totalement. J'ai voulu tenter de faire cette expérience. Il faut oser parfois. Et ça n'a pas été concluant. Ah. The Greenville General Hospital is down the road by the lake. It's too far to walk. Come on. If I'm riding in a car, George, I prefer to be the driver. Can you provide a car for me? What are you talking about? You don't even know how to get there. Which is another good reason for me to drive, George. I need to learn my way around town. Oh, man. Very well. Then I'll ride with you. Ah, ouais. L'œil qui est toujours mal, hein. Enfin, qui n'apparaît même pas, parce que l'enconnage n'est pas bon. Involvement in this case is limited. That means you don't have to learn your way around town. Hello. George, we better get moving. The hospital closes at 2100. En plus, il faut se dépêcher. Oh là 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 là. Ah! Toujours ce même bruit horrible! Putain! C'est pourri! Ah, c'est horrible! Agent York isn't accustomed to the town yet. Isn't that all sad?
J'en peux plus de ce jeu déjà. J'en peux plus. Well then, engineer, let's get going. Ah, il pleut. Oh putain. Oh putain. Et le bruit s'arrête même pas dans les menus quoi. Même quand t'es en pause, il s'arrête pas. Ah. C'est où? C'est où? Putain, c'est loin. Ah, c'est loin. Ce jeu est codé avec les pieds. Putain, mais elle est où la sortie du parking là? Allez, on accélère, on accélère. Je vais faire une dépression avant d'arriver. C'est pas par là. Merde, elle est où la route? Allez, on coupe. Ça doit être par là. Pas du tout. Putain, c'est par où? On coupe, on peut pas. Ah. C'est bon, il y a un chemin par là, c'est un raccourci. Ouais, en plus je trouve une médaille. Deux médailles. Ouh, oh putain. C'est quoi ça? Deux minutes, je vais voir ce que c'est. If you're wandering off, then we'll go on ahead. We don't have time to mess around. Ah, ça va, je regarde juste un truc. Mais j'en ai pour 30 secondes. Oh, un os. Hein, qui a laissé traîner un os? A human bone? This doesn't look related to the case, but shouldn't I let someone know? Ta gueule, chien. Ta gueule. Ah, je peux pas le viser. Il est invincible. Ah. Allez, redémarre. Bon. Des mecs qui ont planqué une médaille tous les 20 mètres, quoi. C'est abusé. Hey, y'a un raccourci là. Et on va mettre des médailles tous les 20 mètres. Comme ça, le joueur, il aura l'impression de gagner un truc. Allez, bon. On dépasse pas le 50, hein. Ouais, c'est vrai qu'ils sont plus avec moi, shérif et shérifette. Bon, on va bien voir, hein. Ah, freine, 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 ah. Agent Morgan, have you ever seen? Ah, c'est bon, ils sont là. Protocol. We were waiting for you, and now you try to go in by yourself. Bah, il pleut, mais les mecs ils sont dehors, quoi, tranquille. Normal. Hein. Oh, il fait une croix inverse. On va rester planqué sur, on va rester planté sur le parking, normal. Et l'autre, il se recoiffe. Quoi. Calm down, George. He probably just got lost on his way. En tout cas, ses cheveux, c'est pas du tresse FX, hein. Y a pas des masses de polygones. Hein. Bon, là,
là j'en peux plus, là je sauvegarde et j'arrête. Hello, Sheriff. Ah, Fiona. Oh putain, t'es moche, toi. Oh putain. I think Dr. Johnson is in the computer room. Il avait rien à branler, donc il est parti se faire un démineur. Bah ouais. Ah ouais. Nice to meet you too. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. But how did you know I was FBI? Il a même pas sorti le Call Me York. Besides, that scar on your face is the biggest rumor in town. Rumors get exaggerated as they spread, even in the countryside. What's that you're reading, if I may ask? It's set in the U.S., a small traditional North American town close to the Canadian border. A peaceful, traditional place. However, that peaceful town is shattered by a terrible crime. The murder of a local girl. And that incident causes grief and sadness to everyone in town. But everyone knows the seditious, heinous, evil still lurking, alive. Yes? Putain, mais les mecs ont écrit le scénario. Fiona, don't say that. Sorry, I shouldn't have said that. Dead and all. Don't worry. Books are written to entertain. It's good you're enjoying. What we're faced with here is a terrible crime committed in a real world. Much different from that of a novel. So there's no need to apologize. Thank you, Agent York. Just York. Call me York. Bon, allez où le téléphone là que je sauvegarde? Ah, yes. Bon, allez. Fin du stream. Ciao, bonsoir, à la prochaine. Hein. J'en peux plus. Non. Là, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Ce jeu est un jeu de starbé. Je verrai si après mes vacances, je trouve le courage pour continuer et voir la suite. Mais là, c'est mal barré. J'avais rage quitté déjà au bout de 2 heures la première fois. Deuxième tentative, c'est la même chose. Ce jeu est très dur à jouer. Donc on verra après mes vacances si je refais un stream dessus. J'ai tenté le coup, le jeu est particulier et extrêmement particulier, je vous avais tous prévenu. Hein. Donc voilà, merci à ceux qui nous ont suivis, enfin je sais pas si vous êtes encore nombreux, enfin si à un moment ou à un autre vous avez été nombreux d'ailleurs. Donc merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous en août maintenant pour la suite de mes streams, puisque maintenant je vais être en vacances. Et je sais pas encore en août qu'est-ce que je streamerai, et après bon, on verra, on improvisera. On verra la rentrée, de toute façon on avisera bien en temps voulu. Donc moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut, bonsoir, ciao.